L'actualité en ligne de mire. Les snipers de l'info. 18h-19h. Tous les vendredis sur VL. Pourang, tu es venu quand même en tant que mentaliste avec des tours pour nous donner envie d'aller te voir. Tu as préparé quelque chose avec Stéphanie. Oui, on s'est vu avec Stéphanie tout à l'heure. Je lui ai demandé, enfin Stéphanie, tu vas me dire si tout ce que je dis est vrai. D'accord. On s'est vu tout à l'heure. Mmh. Je t'ai demandé de penser à un mot dans la langue française. Oui. On est d'accord. Alors, une chose très importante, il faut qu'on établisse, c'est qu'on n'est pas complice. Ah non, pas du tout. Parce que sinon, cette expérience n'a aucun sens. On ne se connaît absolument pas. D'accord, voilà, donc pas de complicité. Donc je t'ai demandé de penser à un mot dans la langue française et tu l'as écrit nulle part. Tu n'en as parlé avec personne ici. Non. Personne ici connaît ce mot. Non. On confirme ici autour de la table. Hein, personne on confirme. On va essayer de deviner aussi. Essayer de deviner. Et donc tu connais la définition aussi de ce mot. Oui. Donc connais bien la définition de ce mot. Et en même temps, Arnaud, est-ce que tu peux penser à un nombre entre 1 et 100, s'il te plaît? Ok, c'est bon. C'est ça bon. Va être dur pour Arnaud. Je sais compter jusqu'à 100. D'accord. C'est ma limite. Et regarde, en attendant, en fait, j'ai fait ça parce que ça m'a permis de t'observer un petit peu. Alors, je t'ai demandé de penser à ça ce Ça t'a mot. Dérouté, non? Et donc, ça m'a permis un petit peu de t'observer pour pouvoir faire cette expérience. Est-ce que tu aimes bien la musique? Oui, j'aime temps, la musique. J'essaye d'observer. Oui. Tu aimes bien la musique? J'aime bien la musique. C'est jouable de dire non. Moi, dans mes notes sur mon téléphone, j'ai mis la liste de 100 titres de chansons. D'accord. Des chansons que moi j'aime bien, ok. Tu vas aller dans mes notes, s'il te plaît. Ah, dans tes notes, voilà. Ok. Je prends le téléphone de Pourang et je suis donc dans ses notes. Alors, là, il y a marqué les chansons les plus populaires. Ouais. Ok. Donc tu regardes, il y en a centaines. Est-ce que tu peux bien vérifier que tous les titres sont différents? Il y a les titres et les chanteurs. Et les chanteurs, tous les différents. Sur 99, tout à fait. Attends, Ok, d'accord, très bien. Donc tout est différent. Donc est-ce que tu peux regarder au nombre, le nombre auquel tu es en train de penser, quelle est la chanson? Ok. Tu peux le montrer à ta voisine, s'il te plaît? Ok. Celui-là, tout à fait. C'est le nombre que tu as choisi. C'est le nombre que j'ai choisi, tout à fait. Avant de venir ici, j'ai demandé à ton régisseur de chercher un morceau de musique. Ouais. Et quand je lui dirai, donc vous savez tous les deux, j'ai dit ça. J'ai peur. J'ai très très peur. Donc personne ici connaît. Moi, je peux pas savoir ton nombre. Et là, est-ce que en régie, on peut mettre la musique? Est-ce que tu peux bien confirmer que c'est bien ça? Non, mais je peux pas le croire. C'est ouf. Non, mais pas du tout. C'est ouf. La chanson des rois du monde. C'est ouf, Imagine, John Lennon. C'est, alors, juste un truc, c'était donc Imagine de John Lennon qui c'est était donc numéro 63. Au numéro 63 et c'était le numéro que j'ai choisi. Et d'ailleurs, je l'avais même écrit sur un bout de papier. Voilà, j'ai même écrit juste avant sur un bout de papier. Et comment? Bravo. Merci. Et le rapport avec Stéphanie alors? Non, aucun. Ah, aucun, d'accord. Non, ça m'a permis de l'observer un petit peu. Alors, j'aimerais bien que tu penses, je vais te poser des questions et je voudrais que tu répondes dans ta tête, pas à voix haute. D'accord? Dans ta tête. Est-ce que le mot à quel tu penses est un objet? Non, dans ta tête. Ouais, dans ta tête, on a déjà. Non, c'est pas grave. Donc, c'est pas un objet. Bon, pas très bien, d'accord. T'es chiante, Stéphanie. Okay. Donc, c'est pas un objet. Bon, tu m'as mis un petit peu sur. Alors, je veux que tu penses à la définition de ce mot. Regarde-moi, s'il te plaît, Stéphanie. Dans cette définition, est-ce qu'il y a quelque chose en rapport avec la vie? C'est ça, avec la vie, oui. Ne dis rien à voix haute, mais je pense qu'il y a quelque chose de... Donc c'est pas un objet, c'est quelque chose qui est en rapport avec la vie. Je vois la chaleur, je pense. Attends, ne fais aucun geste, s'il te plaît. Aucun geste avec la tête. Vie, la... Est-ce que tu veux bien penser à la première lettre de ce mot, s'il te plaît, dans ta tête, la première lettre. Le son de la première lettre, donc c'est un... J'entends un « ce », donc ça peut être un « s » ou un « c », je pense. Mais je pense que c'est un « s ». Est-ce que je vais dire le mot, et ici, donc tu vas être honnête, parce que tu l'as écrit nulle part, il n'y a pas de preuve, mais tu vas être honnête. Si je dis le mot, tu vas nous dire si c'est bien ça. Est-ce que tu penses au mot « soleil » ? C'est ça ? Ouais. Non. Ah, j'avais trouvé aussi.
avec tout ce chemin. Ouais, exactement. Et une fois que tu l'as dit. Peur, ça fait très peur. Non, attends, alors, juste ça fait très peur. C'est hyper déstabilisant. J'ai pensé à un truc dans ma tête. Donne-nous justement genre un truc pour j'ai la preuve, ce soir. Ah bon, j'ai la preuve. Tu l'as écrit. Ah, c'est ta recherche. J'ai cherché la définition. Bah oui, ah oui, c'est vrai. Soleil, c'est dur. Non, parce qu'il m'a demandé de chercher des mots dans la définition. Alors, pendant que Steph cherche, est-ce que tu peux nous donner peut-être. On le montre à tous. On te croit. Est-ce que tu as un petit truc qu'on pourrait faire en famille pour vos gens pour débuter, tu vois. Voilà. Pour gagner vos avant soirées. D'acheter la méthode pour Hang en 14 non, volumes. Je peux pas le faire là. En fait, c'est comme la magie, c'est comme la prestidigitation. C'est pas parce que vous connaissez un numéro que vous arriverez à le faire. D'accord. Faute de travail. Oui. C'est pas vraiment. Moi, je dis toujours dans n'importe quel métier, il y a des bons et des mauvais. Et les mauvais sont les gens qui voilà font ça et qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas réfléchi. Parce que tu as vu le spectacle, c'est quand même un cheminement. Hein. Moi, ça fait depuis l'âge de 20 ans que je fais ça. Donc ça va. Ça fait 3-4 ans. Faut pas non plus abuser. T'es gentil. Hein. Non, mais franchement, il faut beaucoup de travail. C'est pas parce qu'on connaît. Et c'est pour ça que on parlait des réseaux sociaux, on parlait d'Internet. C'est que les jeunes qui viennent dévoiler des choses sur Internet, ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire, même si tu regardes un truc sur YouTube, je sais comment ça se passe, mais quand tu vas le faire, tu n'arriveras pas. C'est comme le porno finalement.